Eh bien bonjour à tous, bienvenue mesdames et messieurs, nous nous retrouvons comme vous pouvez l'entendre, encore et toujours, dans cette magnifique musique. Oui, on se retrouve sur Dragon Quest Monster Joker et écoutez, avant de commencer... Oh là là, mais je suis désolé, mais je serai toujours en surkiff sur cette musique. On va aller voir s'il n'y a pas des petits monstres là qu'on peut synthétiser, la OKLM. Voilà, des petits monstres stylés. Ah ouais, ils ont très peu de level en fait. Oh, Mr. Angel. Vas-y, on va mettre Mr. Angel. Ah ouais, ah ouais. Bon, jamais je le fais, mais... Mr. Angel, il est trop beau, frère. Flamey, Spyro. Ah ouais. Ok, il y a lui. Bah, il y a ces deux nazes qu'on peut utiliser, à la limite. Ah ouais. Bou. On peut utiliser Bou. On peut utiliser ce beau gosse. Il peut redevenir quelqu'un d'impressionnant. Hein. Ouais, nul. C'est un peu nul. Une flasque de merde. Redevenir une flasque de merde. Mais j'ai pas envie de l'utiliser. À la limite, voilà, lui on va mettre là. Ouais, mais là il reste un poulet. Mr. Crab. Ah mais tout ça c'est des mobs qu'on a déjà. Ouais. Ah mais on l'a déjà lui. Bah, apparemment on n'a pas énormément de mobs qui peut être intéressant. Hein. À la limite si lui. Ouais mais c'est les mêmes quoi, c'est tout nul. Bon bah malheureusement on en a aucun d'intéressant. Après voilà. Faudrait aussi que je fasse des mélanges pour juste pouvoir avoir de nouvelles compétences. Mais écoutez, on fera ça plus tard. Du coup, bah hop, on va aller là et puis on va partir dans la grotte. Vu qu'on est posé là. Allez tu montes. Bien. Alors attendez, ce que j'ai vu qu'on pouvait aller là-bas avant, on va aller voir ce qu'on peut. Enfin ce qu'il y a là-bas en fait. Ah mais ça nous met vers la plage. Comment ça on veut m'agresser? Ah ok, non c'est au-dessus. Oh, mais non, mais on veut vraiment m'agresser. Messieurs, bonjour. Vous êtes. Ouah, deux mobs que je connais pas. Alors lui, il a l'air un peu plus rare, lui. Alors, tu vas rentrer dans la team, j'espère, mon pote. Ouh là là, 10%, on est foutu. Je suis foutu. Je suis foutu. À aucun moment, je vais réussir à l'avoir. Oh, 27%. Un petit 30% là, quand même. C'est pas mal. Alors, est-ce que ça passe? Comment une plante peut faire un souffle enflammé? Je vois. Alors, comme ça, on est une racaille. Eh ben je vais régler ce problème de ce pas. Moi la racaille, je la défonce. Voilà. Je vais lui montrer le respect là. Hop hop. Ça dégage. T'as voulu faire le fou avec moi mon pote. À l'aider là, à faire protection. Ça ne marche pas comme ça hein. Toi tu vas faire défense. Toi tu vas faire décuplo machin. Et toi tu vas... Ouais, tu vas soigner... Lui. Ça t'y part. Voilà. Un petit 17 HP. Voilà. Okay. Et hop. Dressage. Je sais pas si je vais tricher pour lui. S'il rentre tant mieux. S'il rentre pas. Je sais pas si je vais tricher. J'ai mes quelques doutes. Je ne sais pas.
Est-ce que c'est vraiment très legit de faire ça? Non, ce n'est pas du tout legit vu que ce n'est pas voulu dans le jeu, mais bon. J'en ai rien à foutre. 29%. On a littéralement gagné 2%, je crois. Il est pas vexé. Moi, tant qu'il est pas vexé, je suis content. Hein. Fais pas chier, là. Rentre dans ta putain de Pokéball, mon gars. Enfin, c'est pas une Pokéball, mais tu... Fais... Je suis désolé. Je viens de me rendre compte de la stupidité. Enfin, non, pas de la stupidité, mais... À quel point c'est incroyable comment on capture des monstres, quand même. Si tu leur tabasses la gueule... Et ils te disent, ouais, vas-y, je viens chez toi. Ça va, il est pas vexé. Exact, un souffle en flamme. Yeah, yeah, yeah. Enfin, du coup, c'est incroyable, quoi. C'est genre, tu lui fais un gros chobit. Et si le chobit, il est suffisamment puissant, il te fait, bon, allez, vas-y, je viens avec vous, les potos, vous êtes incroyables. Bon, par contre, tu me casses les couilles, là. Ça serait bien de rentrer, mon ref. Touille. Il t'a impressionné ce... Impressionnant ce chobit. Allez là, 30%, normalement ça rentre là. Frérot, je vais péter un câble. Elle est pour... Les pourcentages dans ce jeu, ils sont nuls à chier, frère. C'est soit je suis extrêmement malchanceux, ou soit les pourcentages, c'est vraiment de la grosse merde. Parce que bon, 30... si j'ai 30%, normalement en 3 essais, ça veut dire que j'ai 90% de chance de l'avoir. Enfin, après, c'est des statistiques. C'est-à-dire que c'est jamais vraiment vrai, mais on s'en fout. Là, j'ai une chance sur deux. Là, c'est... Là, mon gars, je te tu fais ça, je te dis choisis, normalement, hop, c'est ça. Mais non, 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 bien sûr, là, ça me casse les couilles. Ça marche jamais. Je déteste ce jeu sur le dressage, putain. Non, je rigole, c'est incroyable. Mais rentre dans ta putain de Pokéball. Même si c'est pas une Pokéball. Viens, wesh. Au coup critique. Ça, c'est bon, ça. Les petits coups critiques, là, ils font toujours plaisir, par contre. Allez, 41%, wesh. Je vais péter un plomb. Et il se vexe. Et ben, moi aussi, je me vexe. Ah, j'allais rien branler, de toute façon. Il me casse les couilles. Je vais péter un câble. Oula, attention, j'ai failli avoir une petite crampe, là. Je l'ai senti, là. Je l'ai stoppé direct. Et le jeu il essaye de me casser la gueule parce que je casse la... Enfin que j'utilise des méthodes pas très Charlie quoi. Eh bah va te faire foutre. Je te vexe pas. C'est moi qui devrais être vexé là. Allez frérot wesh 30% là. Péter un câble. Mais faites que ça se finisse. Faut vraiment que j'ai des mobs beaucoup plus puissants, c'est pas possible là. Enfin, enculé va. Pour un mob F. Pour un mob F. J'ai galéré pour avoir un mob F. Oh putain. Quelle est cette chose là? Oh, salut le petit slimy. Il est trop mimi. Oh, il y en a trois. Ah ouais. Je vais vous montrer le respect, moi. Ah, hop, dans ta gueule. Allez, bang. Pouille, 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 pouille. Il y en a au moins. Et hop, ça dégage. Tu utilises protection? Oh bah c'est dommage. Ah mince, hop. Allez, dressé. J'espère qu'il va pas se nous casser les couilles, lui. Mais attendez, c'était un coffre bleu ou pas tout à l'heure? Oh, 5%. Ah bah, ça va être extrêmement chiant. Il est vexé. Mais je me demande, est-ce que c'est pas parce qu'il est... Mince, non. Je me demande... Est-ce que c'est pas parce qu'il a fait une défense? Je me demande, c'est pas si, ouais, est-ce qu'il est, il a fait un truc de protection? Du coup, c'est pour ça que... Ah, mais on y croit.
0. Comment ça? Je sens que ça va être infâme. 6%. 0. 1%. Moi j'en ai ras le bol. Mais oui, c'est pour ça, parce qu'en fait je lui mets moins. Je lui mets 0 dégâts. Mais oui, mais c'est ça en fait. Bon bah écoutez. Défense pour tout le monde, hein. Juste attends que il soit plus en protection. Je sais pas, je sais pas combien de temps ça dure. 3 tours, je pense. Non, je suis trop bête. Ouais bon, apparemment au troisième tour ça avait l'air de marcher. On va faire tension. Mais en fait je vais faire ça. Mais la tension, c'est incroyable. Tu fais tension et tu fais... Les gars, je viens de trouver un... Non mais je suis trop bête, bordel. Ça fait 3 fois que je fais l'erreur là. Enfin 2 fois. Bordel. On va pas la faire cette fois. Je suis 20. J'ai failli faire la même, hein. Je peux encore utiliser tension. Mais attendez, mais... Il va exploser le frérot. 50. J'ai pas lu ce qu'il avait écrit, mais je crois que ça voulait juste dire que là, frérot, tu peux plus. Tu peux plus le faire. Je le fais. Je le fais encore. Mais attendez, frérot. Enfin, il y a écrit quoi? Très très haute tension. Mais tu m'étonnes, frérot. Mais attendez, mais j'ai trouvé la technique de fou. Là je fais ça. Mais mon dieu, je vais faire un 100% en un coup. Mais attendez, là je vais faire un 100% en un coup, c'est obligé. Et eux ils font 0. Ouah, mais j'attendais, mais je viens de découvrir un truc de fou pour capturer en fait. C'est incroyable ce que je viens de découvrir. Mais la tension. Et bien sûr, bien dans la team mon ref. Incroyable. Je suis subjugué par mon intelligence. Allez Shello. Allez, tu dégages. On veut pas de toi non plus, hein. Ah mais oui, mais si, c'est un coffre bleu, ça veut dire que c'est Ténérium, là, ou Térium, je sais plus comment ça s'appelle à chaque fois, sa pierre de merde, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Térium, Ténérium. Ténérium, ouais, c'est ça. Non mais attendez, par contre, les gars, je suis trop content de la technique que je viens de trouver. Je suis juste heureux. Bon, après, il faut tanker les dégâts, quand même. Pendant la tension et tout, que c'est pas fou quoi. Bon, ici du coup tu vas pas me dire il y a que quand même. Ah, il y a une dame. Bonjour madame. Oh mon mignon. Ah mais c'est Barbara, je sais pas qui c'est. Si tu veux on peut faire un peu de corps à corps, ça marche. Tu aurais pu avoir peur et dire non, tu sais. D'accord, j'ai cru que littéralement qu'elle voulait qu'on baise quoi. Ça ne m'aurait pas déplu. Comment ça je peux dresser? Attends, je peux dresser? Mais c'est... Je peux voler ces trucs? Mais non, c'est pas possible. Je peux voler ces monstres? Ok. Alors. C'est incroyable. Je viens de te balancer un missile, mon pote. C'est juste incroyable. Je peux voler les monstres des autres. Oh l'enculé. Putain, l'enflure m'a paralysé.
Ah bah go. Putain, il me fait mal en plus, hein. Mais wesh! Mais il meurt jamais! Comment ça, il me lèche le visage? Ouais, je suis imperturbable. Non mais attendez, par contre, là, ça commence à devenir... Oh l'enculé! Mais là, je suis foutu, là. Voilà, tu m'impressionnes pas! Elle veut me voler mon truc, là, mais ça... Mais c'est une malade, cette meuf! Ouais, c'est moi qui te vole, pas toi! Mais c'est une tarée! Voilà, 0%! Tu fais rien, moi, à pic! Sale pute, va! Mais c'est une folle! Mais c'est une folasse! Une grosse folasse, elle, hein! Elle a voulu me voler, mon truc! Non! C'est moi qui te vole! Voilà, mais c'est une malade, elle! Yeah, vire ta mère, là! Allez, lame de feu. Oh, mais... Ah non, hein. Oh, la catin de merde. Attends, je peux te dire, là, que ton petit truc, là... ton slime de merde, là, je vais le capturer, hein. C'est moi qui te le dis, ma folasse, là. Ah, bon, lui, il casse les couilles, hein. Donnez ordre. Tension. Bon, toi, tu vas... Vas-y, tu vas... Tu vas te heal. Ah vas-y, je suis paralysé et en plus je suis ça. Ah, lui il va mieux. Vas-y, tu vas faire ça. Toi tu vas faire tension. Toi tu vas faire soigner lui. Ah, attendez, je vais faire une sauvegarde parce que j'ai pas envie de me tromper encore. Ah, toi tu vas faire ça. Toi tu as tension et toi tu vas soigner lui. Hop. Tension. Il va faire ça, hein. 100. Très haute tension. Je peux faire plus que... Oula, j'ai fait quoi là? Je peux faire plus que 100. Je pense que je peux faire plus que 100. Mais je crois que j'étais à 200, non? Je vais voir là. Comment ça, j'ai la chair de poule? Votre défense est réduite à 1. J'ai retrouvé mon sang-froid? Oh non! Oh, ça c'est vraiment pas nice. Putain, dégoûte. Je sais pas si c'est parce qu'il m'a léché ou j'étais à 100% du coup. Ah, grosse merde. Bon bah c'est reparti, hein. Défense, tension, premier secours. Attention, premier secours. Toi, défense. Toi, décuplo. Non, toi, tu décuples. Et défense. Alors là, mon petit fils de pute, tu vas venir chez moi. T'as essayé de me capturer, pétasse. Ah, je vais te casser la gueule. Pouille, 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 pouille. Oh là là, la 35% à un coup. On s'est vraiment nul à chier, mais... 1%. Tu te rends compte que je mets 1% là, mon gars, j'ai dégommé sa grand-mère. Allez. Bon, attendez, les gars, je suis vraiment désolé, mais... Je vais devoir refaire la même chose, c'est juste extrêmement chiant, il pourra jamais me tuer. Vas-y, je refais, frère. On fera exactement la même chose à chaque fois. Non mais c'est bon. Ça va prendre 20 tours encore.
Je suis fatigué. Hein. Et en plus, il se vexe. Vous voyez le temps que j'aurais perdu là si j'aurais dû refaire à chaque fois le truc. Non, frère, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Hein. Je vais péter un câble par contre. Fais pas le fou avec moi. Tu sais quoi, j'ai envie de l'attaquer. Juste pour voir combien de dégâts je lui mettrais. Tu sais quoi, j'ai envie de l'attaquer juste pour savoir combien de dégâts je lui mets. Parce que là, en fait, il va prendre à moins 40 000. Avec là, mon... 600! Oh là là, la dinguerie! Mais attendez, mais c'est monstrueux les dégâts que je lui mets. 600! Je suis choqué. Attendez, en fait... En fait, si je me setup bien... Voilà, allez, let's go. Si je me setup bien, je peux... Déchirer tout le monde. Tout le monde. C'est une dinguerie. Une dinguerie. Allez, dégage, sale pétasse, va. Je suis choqué, frère. Si je me set up, je suis littéralement invincible. Après, il me faut quand même... 4 tours. Non. 4. Il me faut 5 tours, quoi, après, hein, pour me setup. Hein. Ce qui est un peu compliqué, quand même. Hein. Oh. Oh. C'est encore toi? Eh. Mais qu'est-ce que c'est que ce. Merde. Qu'est-ce que c'est que. Comme monstre, ça? C'est un drôle de choix, même pour ton équipe. Non, enfin. Ça te convient plutôt bien. Faible, petit, tout ça. Silence, jeune insolente! Oh, mais c'est qu'on s'énerverait. Attends, je t'ai pas déjà vu, toi? Mais, oh, mais ça y est! Tu es le monstre rare qui m'a échappé! Mais tu as l'air si différent maintenant, ça oui, on peut dire que tu es bizarre. Ah, et c'est ta faute si je n'ai pas réussi à le dresser. Eh, et si on échangeait? Je te donnerais un chat griffeur. Et même un bisbave en plus. Alors, qu'est-ce que t'en dis? En échange, je veux ce monstre. Pauvre sotte. Oh, la ferme! C'est à ton maître que je parle, pas à toi. Bon alors, marché conclu, Volrod? Il va falloir que tu changes ton aptitude, petit. Bon, j'ai une autre idée. Battons-nous. Celui-là qui gagne le combat remporte ce drôle d'oiseau. Qu'en dis-tu? Pas d'objection? Bien alors, marché conclu. Tu es bien sûr de toi, jeune humaine. Tu peux garder ton oisillon jusqu'à ce qu'on s'affronte, d'accord? Ok, alors à plus tard. Attends. C'est de quoi, là, ça? Elle est infernale. Alors, Volrod, tu es sûr de pouvoir la battre? Bien sûr que je la marave, cette catin. Tu deviens plus courageux de jour en jour. Je vais me set up, je vais te péter le cul, hein. Tu vas voir, toi. Mais 600 de damage, mon pote. Là, c'est quoi cet endroit là? Oh non, des énigmes. Bon Dieu. Ce dispositif semble contrôler l'ascenseur. Il indique le niveau vers niveau 1. Vous êtes déjà au niveau 1. Le dispositif ne vous sert à rien. Merci. Ça semble contrôler vers le truc activé. Ouais. Il a ouvert ça. Oh la dinguerie. La dinguerie, frère. Je pense que je vais me faire catapulter ma grand-mère. Je pense que je vais vraiment me faire catapulter ma grand-mère. Bon, lui, il va pas mettre des dégâts, mais j'ai peur pour la sentinelle. Hein. 27? Ça va. Le truc, c'est que le temps que je me set up, je suis pas sûr que ça va être fou, quoi.
Et le truc, c'est que là, là, je peux pas tricher en disant ouais, de toute façon, c'est juste sur la durée. Là, la sentinelle est vraiment dangereuse, quoi. Genre, il peut vraiment me péter la gueule. Du coup, je pense pas que je vais pouvoir tricher, quoi. Là, ça serait vraiment de la triche et je suis pas d'accord. Tu vois, il y a des trucs en mode. En mode. Je peux me permettre d'utiliser des petites techniques, mais là, non, là, c'est vraiment trop triché, là, si je fais... Enfin, j'arrive pas à me faire comprendre. Mais je me comprends, en tout cas. Par contre, je vais quand même sauvegarder. Parce que s'il se vexe et je peux plus le capturer, ben, nique ta grand-mère, hein. Faut pas déconner. Ça, c'est un système que je n'aime pas dans le jeu. Voilà, je le dis, et puis, bah, voilà. Je décide de ne pas l'accepter. Et de tricher comme un fumier. Oh, il y a 100% de tension là. Oh, je suis à très haute tension. Je sais pas ce qu'il a, mais il aime vraiment pas ma. Mon slime qui vole. Hein. Genre, il fait que lui casser la gueule. Comment ça tu te mets sous tension? Eh, fais gaffe à toi mon gars. Tu voudrais ça. Allez, on y croit. Je pense que ça va peut-être être extrêmement compliqué, même sous tension. Je lui mets 19% sous tension. Je suis foutu. Je vais même pas leur mettre 1%. En quoi? 20%? Ah, ça se tente. Oh, avec un peu de chance. S'il vous plaît. 20%, s'il vous plaît, one shot. Comme ça, j'ai pas à remettre tension de fou. Let's go! Let's go! Je suis vraiment content en fait. Là, je suis juste content. Wouah, niveau D. J'ai envie de le mettre dans ma team. On va le mettre en remplaçant. Hein. Putain, je ne les ai pas fait level up. Vas-y, toi, t'es trop stylé, mais tu sers à rien, dégage. Voilà, là, je suis vraiment content là. 20% one shot, sans tricher. On va faire une petite sauvegarde, deux petites sauvegardes. Je suis désolé, je renifle beaucoup aussi. Bon. Puis je crois que c'est un mob unique qu'on a là. Hein. Lui, c'était vraiment un mob unique. Bon, vas-y, en vrai, je lui casse la gueule à lui, y a pas de soucis. Hein. Un mob que je ne connais pas. Bon, vas-y, on va pas chercher à comprendre. T'as enculé, m'a empoisonné. Oh. Non, non, par contre, les gars, arrêtez de l'attaquer, lui. À la limite, tu fais ça. Toi, tu fais tension. Toi, tu vas... Soigne-lui, là, quand même. Il est pas bon, lui. Oh l'enculé, casse les couilles, hein. Pas mort. Putain. Attention. Que je fasse gaffe, hein. J'ai plus beaucoup de PM, là, avec... Je sais pas comment il s'appelle là mon slime d'or. Enfin lui là. Est-ce que ça me fait baisser ma tension ça? J'ai pas vu. Est-ce que ça me fait baisser ma tension? Parce que si je prends des dégâts et ça me fait baisser ma tension, je vous avoue que ça me fait chier. Je crois que c'est quand il tabasse que ça me fait perdre l'attention. Ah non, 50. Bon, vous savez quoi? Je pense que 50, c'est déjà pas mal. Voilà, je vais pas perdre mon temps. Je fais un décuplo. Toi, hop. Et je pense que là, dressage, ça le fait. C'est pas un mob qui a l'air incroyable. Je pense qu'à nous trois, on se le fait facilos.
Oh l'enculé par contre. Je suis dégoûté là. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Il se vexe. Allez frérot par contre. T'es gênant là. Meurs. Putain là par contre ma team frérot. Elle a pris cher. Elle a pris cher hein. Un coffre. 99. Ok. Bon, vous savez quoi, malheureusement, on va rentrer. Comment ça, on peut pas rentrer là? Je venais d'ici, moi? Non, non, je venais pas là. Comment ça, je peux pas rentrer chez moi là? Frérot? Ouais. Ok, je crois que. Ouais, ok, ça a rouvert ici. Tant mieux. On va devoir les soigner parce que là ils ont pris vachement cher. En plus j'ai plus de PM. Faut pas déconner non plus. Surtout si je dois affronter l'autre pétasse. Oh, y a un nouveau mec à tabasser là. J'ai pas envie de l'affronter. Juste envie de voir les mobs qu'il y a. Bon, en plus c'est tous des mobs que j'ai déjà. Alors un peu rien à foutre. Ah, il va faire nuit, c'est bien, je vais pouvoir voir les mobs qu'il y a de nuit. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est une malade hein. La meuf, elle se baigne avec les calamars. Non mais... Mais j'aurais jamais... On aura tout vu, frère. Elle est hentai, mon pote. C'est pas sur cette chaîne hein. Je suis pas là pour ça hein. C'est quoi ce dinguerie, frérot? Mais n'empêche la tension là. Est-ce que c'est une capacité spéciale? Parce que tension, il faut que je l'ai à littéralement tous mes mobs. Aptitude compétence. Ah ouais, putain, il faudrait que je mette des équipements à mes mobs. Mais bien sûr, voilà. Pour qu'ils soient encore plus puissants. Je suis trop bête. Je l'ai pas fait. Je vais mettre la massue parce que c'est le seul qui peut l'avoir. Oh, afficher la bibliothèque. Monstrothèque. Oh. Attends, il y en a combien? Ça dit pas, mince. Oh. Incroyable. Putain, mais il y a même une... Oh là là. Ces créatures marines savent qu'elles sont mignonnes et elles le montrent. Oh, c'est trop mignon. Voilà-t-il pratiquant une magie répugnante? Comment ça, mon ref? La queue venimeuse de ce prédateur peut paralyser sa proie d'une simple piqûre. Ah, cette créature coléreuse adore pulvériser les passants. Mon ref, c'est quoi ça? Ah oui, lui, je l'ai vu, mais on l'a pas vu, malheureusement. Enfin, c'était hors vidéo. Cette créature a vu le jour quand les lianes devenues intelligentes ont pris forme de leur avant. Incroyable. Ce petit monstre a la peau douce et un sourire idiot. C'est pas très sympa. Cette bulle est née dans une marée empoisonnée, dans un marais empoisonné et a absorbé les toxines dans son milieu de naissance. Lorsqu'elle est surprise ou menacée, ce gentil petit monstre trouve refuge dans sa carapace. Oh. Quoi? Les glutologues ont découvert il y a peu que les gluons carnivores deviennent rouges. Bref.
se gluant à un lien de parenté avec les dragons. Bah ouais, c'est mon mob à moi, quoi, il est trop BG. Les gluants menant une vie de saint se réincarnent sous cette forme angélique. Oh, incroyable. Putain, mais c'est incroyable qui une petite machin là. Moi, je veux voir des racailles là, il y a forcément des racailles. Oui, oui, c'est une racaille. Son air facétieux. Oh, je connais vraiment pas ce mot. Cache une férocité incroyable. Guerrier rusé, imbattable dès qu'il est question d'un défi au fleuret. Géant. Ce géant se promène avec une massue taillée dans des arbres encore plus grands. Ce sac barbare peut paraître souriant, mais c'est un sac de nœuds pour s'en décoller. Ok. Qui connaît les ténèbres que renferme le cœur de l'homme? Ces monstres. Oh. Oh. Petit soleil pend en sang entouré de satellites plus petits. Stylé. Monstre décadent que l'amour pour les possessions terrestres ravit. Monstre rusé prenant la forme de coffre pour attirer les aventuriers et les tuer. Golem brillant qui change en or tout ce qu'il touche. A une grande pêche. Mais je vais devenir riche. Comment ça, tout ce qu'il touche, il se transforme en or? Mais je suis milliardaire. Je regarde vite fait les monstres. Hein. Être baigné d'énergie sainte dont l'existence demeure mystérieuse. Oiseau divin commandant au feu. Carré. Carré, carré. Ok, bon bah je sais plus ce que je voulais faire mais j'ai oublié. Attends, j'ai soigné mes monstres? Ouais, je les ai soignés. Ils vont véritablement bien. All is good. Bon. On va aller affronter l'autre pétasse, là. Y'a pas des mobs qui ont apparu, ici? Oh, ça, je prends, ça. Ça, c'est gratos. Allez, file-moi une graine de compétence. Faut que je les utilise, hein, parce que je les ai toujours pas utilisés depuis que je les ai, hein. Oh non, le doglo. Je vais essayer de les éviter parce que j'ai pas trop envie de me les tabasser là. Faut que je garde mon énergie pour les mobs qu'il y a là-bas là. Ah ok, c'est ces racailles qui spawn quand. Ok, ok. Ah ok, c'est les doglo qui sont là quand même la nuit quoi. Y'a pas de nouveaux mobs. Bon. Voilà. Du coup, alors attendez. Est-ce qu'il a respawn? Normalement, je crois que c'était un mob unique, du coup, il est pas censé respawn. Ouais, peut-être que je suis un connard. Ouais, je suis pas un connard. Alors, on va aller là, du coup. Mais oui, non, mais tu crois que je t'ai pas vu? Cassez-lui la gueule, les gars. Ah, bien joué, les poteaux. Non, mais ça fait longtemps qu'ils ont pas level up là. Hein. Frérot, ce serait bien de se décider de level up, quoi. Ah, je vois une racaille. Bah, moi, j'ouvre ça avant. Un remède spécial. Ok. Ah merde. Mais je l'ai même pas capturé lui. Ouah, flemme frère, il est trop moche en plus. Trop la flemme. Toi utilise ça toi, t'es trop fort là avec ton bang. Bang. Pouille 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 pouille. 22. C'est monstrueux. Je mets des dégâts incroyables. Voilà.
flemme, frère, flemme de le capturer. Je vois pas ce que ça a fait. D'accord, alors effectivement, ça c'était pas là tout à l'heure. Ah, gênant, frère. Oh, un chef griffeur. Bien. Vas-y, attaque-moi ça, là. Bah, ça met pas beaucoup de dégâts. Hein. 43. Aïe, 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 aïe. Je suis trop con, je dois pas l'attaquer. J'ai fait une erreur. Une erreur tactique, malheureusement. Non, non, les gars, par contre, le chat, vous lui cassez pas la gueule. Toi, tu vas te défendre. On va faire la... Non. Voilà, t'attaques lui. Toi, tu te mets tension. Toi, tu fais défendre. Toi, tu l'attaques. Tension. Défendre. Défendre. Déco machin. Allez, tu vas te soigner. Oui. Juste pour savoir, il met combien de dégâts là? À 400, c'est quand même colossal. Mais quand même, tu vois, on passe de 600 à 400. Faut vraiment que j'aille au 100%. En 73% à un coup. 86. Et là, c'est bon, là, je l'ai one shot. Si tu me dis que je l'ai pas, je casse mon écran. 98. 98, je l'ai pas, je casse mon écran, frère. J'ai eu peur. Je me suis dit, ah, c'est lent là quand même. Il est lent ce lait, frère. Non, j'aime pas ce nom, il est moche. Il s'appellera chat. Tu sais quoi? Même pas T, il s'appellera juste chat. C-H-A. Ça va la team, vous êtes bien là-dedans? Oh là là, c'est quoi cette dinguerie là? Merde. Ah, ça dégoûte. Franchement, il casse les couilles. Faut que je les évite parce que ça me fait perdre de la vie, ça me fait utiliser des PP, enfin des PM. Ah ouais, non, c'est trop chiant, il faut que j'évite les mobs. Après, ça donne de l'XP, mais vraiment très peu, quoi. Oh, ils sont énormément. Il est pas mort. Voilà. Et voilà. Fais un petit sauvegarde au cas où s'il y a un petit crash. Voilà. Ah, ma team, elle commence à fatiguer là. Hein. What the? What the heck is going on, man? Qu'est-ce qu'un putain de dragon fout là? Eh bah mon pote! Toi tu vas rentrer dans ma team, c'est moi qui te le dis. J'ai
J'espère qu'il met pas trop de dégâts, hein. Bonté divine. Il va falloir que je me set up extrêmement rapidement, là. Parce que là, il va pas pouvoir durer très longtemps. Bah, il me l'a tué, quoi. Je suis dans la merde. Je suis littéralement dans la merde. Je réfléchis. Je suis obligé de faire cap. Je suis obligé de. Je vais faire ça. Putain, j'aurais dû faire ça depuis le début. Je suis trop con. Allez, on va espérer que ça fait perdre son tour. J'ai pas le choix, hein. Putain, là, j'ai perdu un mob, en fait. Déjà, ça va faire énormément de PP en moins, quoi. Bon, voilà, du coup, ça sert à rien, hein. Bah là, je vais mourir, peut-être, hein. J'ai à quoi? Avoir quoi? 2%? 0. Allez. S'il te plaît, one shot, on est heureux. Oh mais c'est incroyable! Si à chaque fois j'ai si peu de pourcents et puis je les ai. C'est monstrueux. Mais lui mon gars, lui je pense que... Ah merde. Oh mais oui si je peux. Lui je vais le faire synthétiser avec mon slime. Comme ça, ça va être incroyable. Greno. Allez. Je vais le synthétiser avec mon slime. Du coup ça va être incroyable. Comme ça, il aura des soins. Ouais. Bon, par contre, là... je suis très mal, quoi. Fouet du serpent. Carré. Stylé. Mais, attends, là, il faut que j'aille où, moi? Je peux pas rentrer chez moi. Ah ok, ça a ouvert un nouveau truc ici. Mais attendez, mais j'ai des remplaçants. Ah ouais, mais ils sont trop peu haut level. Mon remplaçant, il est trop peu haut level pour... soigner tous. Rien ne se passe. Super. Changer remplaçant. Ah mais si, mais j'ai lui. Mais j'ai lui aussi. Ah mais non, lui il est trop peu level. Ah mais lui c'est un soigneur. Ouais mais lui il est trop fort. On va le mettre dans la team. Graine de sagesse. Ok. Mais j'avais pas vu. Mais attendez, mais il y était pas. Ça y était pas, ça. Ça y était vraiment pas, par contre. Est-ce que c'est toujours la même chose en bas, là? Ouais, on va dire que c'est la même chose. J'espère que c'est la même chose. Ouais, vers le 4. Hop. Je ne sais pas ce qui se passe avec le son. Le jeu. Bon. J'ai soigné un peu mes mobs. Hop. Je vais faire deux petites sauvegardes. Mais... Bonjour Zoro. Bon bah je t'ai déjà du coup, en vrai comme ça c'est une capture en moins. Oh putain. Ouais il est vraiment dégueulasse lui, hein. Lance tornade.
Oh l'enculé. Mais c'est qui me met énormément de dégâts en fait là juste. Non toi, toi mon gars, tu vas commencer à faire tension. Ah mais lui aussi il peut faire tension. Incroyable. Incroyable. Ah il a essayé de me rendre faible. Ah, c'est. Oh c'est. Oh ça va être horrible. Ah ok non j'allais dire. 20. 20 de dégâts, il meurt toujours pas ces enculés. Parce qu'en fait j'aimerais bien faire une tension avec l'autre, mais Si je galère autant à les tuer. Bon frérot c'est lent par contre hein. Je n'arrive juste pas à les tuer. Mais si, mais je suis trop con, putain, j'aurais dû faire ça depuis le début, je suis vraiment trop bête. Ils m'ont pas fait baisser ma tension, ces enculés, j'espère. Et voilà, on va dresser comme ça. Je suis même pas sûr que j'étais obligé de faire tension. Hein. Voilà. Je suis à 100%. J'ai peut-être un peu déconné là. Mais mes mobs, ils sont tous le très très bas level en fait. Putain, en plus cet enculé, il était là. Hein. Il m'attendait. Hein. J'aurais vraiment pas dû utiliser la tension en fait. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire tension genre. En fait je suis obligé de tout le temps les utiliser. Bon est-ce que je peux rentrer chez moi là? Oh fils de pute. Oh. Mais je ne peux pas gagner. Frère je vais devoir utiliser tous mes objets. Après en soi c'est pas grave hein, quand j'y pense. Mais non, mais... Ouais, voilà, ça, là. Herbe médicinale. C'est pas vraiment ce que je voulais faire, je suis un peu dégoûté. Voilà. Je pense que là, c'est déjà bien. Faut que j'en rachète et tout. Hein. Oh, il y a un coffre. Oh, il y a deux coffres. Tu sais quoi, je vais tenter d'en capturer un. La caméra, si tu peux arrêter de... faire de la merde en fait. Si, je vais essayer d'en capturer un. Bah ordre, écoute, tu vas le tabasser lui. Tension. Tension. Il m'a mis 28 là, je rêve ou il m'a mis 28 cet enculé. Bah attaque-le lui. Attention. Attention. Il me met vraiment extrêmement mal. Bon vous savez quoi, hop. On va faire ça. Hop. Et hop. Je pense que là ça sera bien. Dressage. Je pense que là on est plutôt bien. Je pense que là ça va être capturé. Oh putain, pas tant que ça hein. Putain on lui met pas si cher que ça en fait là. Bon ça a marché quand même. Putain mais le problème c'est que là mes deux monstres ils prennent cher frère.
Ils prennent cher de fou. Une veine de force. Parfait. Pas mal puissant. Oh là 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 là. C'est lui qui a pris le plus cher. Ah, mais j'en ai un autre. Ah, 60. Il faut que j'en rachète en masse. Hein. Je la flemme de les tabasser là. Ils sont trop chiants à tuer ces coffres là. Bon, est-ce que je vais enfin me taper cette connasse là, putain? Oh non, mais frérot, il faut me laisser tranquille là. Ah, il a fallu que je me le tape, cet enculé de merde. Vas-y, je vais te combattre. Hein. Oh l'enfure. Voilà. Et là, mon pote, toi, tu vas prendre cher. Hein. Voilà. Oh, enfin level up. Ah. Hop. On va faire ça. Ça. Et on va faire ça. Et hop. Ma team prend juste trop cher, quoi. Ça casse les couilles. Je ne comprends pas comment je peux m'en sortir. Feuille d'Yggdrasil, super. Allez, let's go. Un cristaux. Un cristaux de Terrenium, là, ou Terrerium. Putain, ça va nous en faire quoi, 4 ou 5? Je sais plus. Je ne sais plus, là. 4 ou 5? 5 5 cristaux. Bon, il faut qu'on se tape avec la pétasse là. Ça va être compliqué de la tabasser cette pute. Hein. Ah, est-ce que je peux me spoiler là? Quoi, je vais me transformer en singe? Ah merde, un singe ou un dragon? Un singe? Prépare-toi, Volrod. Cette sentinelle est, est un adversaire de taille. Il ne t'épargnera pas. Alors, sois sans pitié. Ah. Je suis foutu. Je peux pas le dresser. Il se met sous tension cet enculé. Ah, ça va pas le faire là. Hein. Si on se met tous en tension, mon pote. Ça lui a fait perdre son tour ou pas? Ça a pas l'air. Je suis dans la merde. Il se met encore sous tension. Je ne peux pas gagner là. Il va me casser la gueule. Mais en fait... Oh non! J'ai déconné. Mais là en fait j'ai peut-être troll la game. J'ai troll la game. J'ai troll la game. J'ai troll la game.
Bah ouais, j'ai troll là, putain. Je sais plus quoi faire. Oh, le fils de pute, il a 100% de tension. Bah là, il va one shot un mob. Y'a plus qu'à espérer que j'arrive à le tuer sans qu'il me tue. J'ai full troll. Il se met sous tension cet enculé. Bon après s'il fait rien pendant 4 tours, je pense qu'il y a moyen. Oh, il va pas me tuer mais... Faut que je le tue. Ouais bah j'ai perdu. J'ai perdu. À part si je le tue là. Ah l'enflure de merde. L'enflure. Faut que je refasse tout là. Bon vous savez quoi les gars, nous on se retrouve là-bas. Sinon ça va être trop long pour l'épisode. Bon, nous voilà de retour. Cette fois on va peut-être lui casser la gueule. J'ai pas changé d'équipe. J'ai gardé pour l'attaque, pour avoir la tension, tout ça. Alors, je me suis déjà trompé. Ça commence. Hop. Non, toi tu vas faire ça. On va utiliser tension. Tension. Et on va tenter. Il nous met du 40 points de dommage. C'est colossal. Je sais vraiment pas si je vais réussir à le battre en fait. Ça c'est assez problématique. Peut-être qu'après j'ai juste une très mauvaise tactique hein. La tension, peut-être que c'est pas vraiment la meilleure idée tous les temps. Je tente. Ouais, là vous voyez que par exemple là je suis juste dans la merde. Genre là il attaque encore mon... Après j'ai acheté quelques items aussi. Un petit remède puissant. Hop. On va faire tension. Toujours tension. Je suis à 100% de tension, il a 100% de tension. Toi tu vas attaquer. Toi tu vas faire un décuplo. Et toi tu vas faire ça. C'est nul à chier. Il se met sous tension. Après mon pote, oh imagine je mets un coup critique là. Ça serait pas incroyable. On va attaquer. Et toi tu vas attaquer aussi. Oh mais non mais c'est trop cheaté, je suis trop un monstre. Oh là 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 là. Let's go, on a gagné un peu de level là. Heureusement frérot, ça fait longtemps. Il a laissé un coffre. Les joies de l'Éjac. Quoi? Non, j'ai... Ah, les joies de l'Évac. J'ai vu l'Éjac. J'allais péter mon cap frérot. Let's go. Il est trop fort hein, lui. Mais c'est ta plus tension là mon pote. Je te vire de mon team hein. Il est temps que le pacte ancestral soit honoré. Que le rituel de la transformation sacrée commence. Donne-moi le pouvoir. Le pouvoir d'empêcher la grande catastrophe. Il va se transformer en singe, frère. En singe ou en mini-dragon. Mini-dragon, je dis pas non. Voilà, frère, c'est devenu un monkey. Je vais péter mon câble. Tu vois, je deviens de plus en plus fort. Maintenant, je suis la trèfle sacrée. Et je suis plus puissant que jamais. Tu trouves ça peut-être bizarre que je puisse me transformer comme ça? Valrod, il faut que je te dise quelque chose. Tu dois te douter depuis longtemps que je ne suis pas un monstre ordinaire. En réalité, je suis l'Incarnus, envoyé dans ce monde pour accomplir une mission sacrée.
Il n'y a guère... Putain. Il n'y a guère que dans les anciennes légendes que subsiste le souvenir de l'Incarnus. Mais si ma véritable identité éclatait au grand jour, un vent de panique soufflerait sur cette île. Sur ces îles, tu dois me jurer de garder le secret. Ne le dis à personne. Je voulais juste que toi et toi seul saches qui je suis vraiment. On parie à la meuf qui nous a entendu. Mais assez parlé. Nous devons nous rendre au sanctuaire suivant. Et tu vas me dire que l'autre pétasse, elle a rien entendu, peut-être. Bah vas-y, on décale. Oh, ils ont soigné tous mes mobs. C'est-à-dire que je vais l'affronter, l'autre pétasse. Non ? Mais je vais jamais l'affronter, cette meuf, là. Ah, mais je ne l'affronte jamais, en fait. D'accord. Pourquoi pas. Pelkanoche et... Mais d'accord, mais il faut que j'aille où, là, après tout ça, là. Il a toujours tension. C'est mon poteau. Il a toujours tension. Ouais, moi, je me barre, par contre. Bon, il faut que je remette celui-là qui soigne, là, dans ma team. Hein. Ouais, je le ferai après. Ouais, je le ferai après, flemme. Alors, attendez, par contre. Comment je vais ici, moi? Je sais pas comment je vais là, hein. Ça reste un mystère. Bon bref, dans tous les cas, nous les BG, on va s'arrêter là pour cet épisode. Si cet épisode vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à mettre un big pouce bleu, à vous abonner aussi, ça fait toujours un grand plaisir. Et écoutez les gars, on se retrouve très prochainement pour la suite de ce Let's Play. Je vous fais plein de bisous. Allez, ciao bye.